Bonjour à tous et à tous, c'est Choukata. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Oui, Katori, qu'est-ce que tu fais là? Oui, sauf qu'en fait, ça c'est la caisse de la brocante. Donc techniquement, on sera pas dedans. Mais je t'ai dit qu'elle sera dans mon armoire. Parce que j'ai tout mangé. Là, il est 9h50. On va partir au marché. Pour y en acheter encore. Ah si, c'est une lunette de soleil à lui. Désolé. Et après on va aller voir mon cheval que j'ai pas vu depuis des mois. Des mois. Ça veut dire que tu as ton cheval et tout. Mais là c'est le cheval à ma mère, donc ne vous inquiétez pas, il voit du monde. Mon cheval, il va couper du monde. Donc moi ça fait des mois que je l'ai pas vu. Puis bah, ça commence à me manquer, donc je suis contente, je vais aller le voir. Alors là, il est. Parce que moi je me montre la musique quand même pour une vidéo, bien évidemment. Il est. Bah, bien sûr, l'heure ne s'affiche plus, voilà, 10h50. Hein. En fait, on va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faisait là, Geoffrey? Ouais, je sais pas. Fais demi-tour. Bah, en fait, je vous reprends dans 5 minutes parce que là, j'entends un truc, je vais aller vérifier quelque chose. Voilà. A tout de suite! Bon alors me voilà, donc je disais on ne va pas marcher parce qu'en fait il pleut. Je sais pas si vous voyez derrière, je sais pas si ton... Non ton essuie-glace arrière il fonctionne pas. Si. Non mais j'ai pas vu. On voit pas en fait sur le truc. Si. Donc là. Qu'est-ce que tu fais? Peut-être pas. On va marcher. Et bref. Donc on est dans la nouvelle voiture de mon copain, donc je sais pas si vous l'avez. Vous allez dire peut-être. Ah, donc voilà. Attendez, c'est parti. Attends encore. Donc là, vous allez directement au cheval. Et là, vous allez dire, mais malgré qu'il pleut. Oui, malgré qu'il pleut. On est cavalier dans tout le temps. Enfin, surtout qu'il y a un manège, donc on est couvert. Ah, mais tu vas jamais passer, donc. Oh, va falloir que tu fasses. Donc voilà. Bon, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Tous, voilà, donc. Il est 11h40 et Amis elle a enfin fini de préparer le cheval et est en train de le tourner doucement en longe. Oui? T'as cette place de l'autre côté ou pas? Bon, nous voilà quelques minutes après. Voilà, nous revoilà quelques minutes après, on a changé de lieu, on est parti dans le manège. Non, non, je touche pas du tout, juste pour qu'il réagisse un petit peu. Ça c'est très très bien ça, Loulou. Ça c'est très bien, oui. Alors, oui. Alors là il est midi 15, on vient de rentrer mon gros loup d'amour qui a été très gentil. Enfin avec moi du moins, parce qu'après j'ai initié mon chéri, je ne l'ai pas pris en vidéo. Parce que, voilà, je devais gérer le chéri parce que c'est la première fois qu'il le longeait. C'est pas la première fois qu'il venait avec moi au cheval, mais c'est la première fois qu'il le longeait. Si vous voulez savoir, c'est un anglo-arabe qui a eu 19 ans aujourd'hui. Donc on est le 28 mars 2015. Voilà, il a eu 19 ans aujourd'hui mon bébé. Après voilà. Donc là on va rentrer à la maison. On va manger puisque franchement on a trop faim.
Ah oui, j'ai oublié de dire, si je parle du nez, c'est normal, c'est parce que je suis malade. Donc voilà. Après, cet après-midi, on va aller sûrement sur Reims pour acheter des trucs pour l'appart de mon chéri. Voilà, parce que ça arrive à grands pas. Donc il va falloir commencer à investir, sérieusement. On ira chercher ma meilleure amie, sûrement, pour aller à Reims, on verra bien. Enfin, ça dépend d'elle en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que ce soir, on va à l'auto, à Longueval, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans le 02. Et on ira chercher ma meilleure amie là pour aller au l'auto tout simplement. Voilà, on y va en couple de trois. Voilà. C'est pareil, on ira peut-être en boîte ce soir, mais on ne sait pas trop parce que du coup on change d'heure aujourd'hui. Si en plus on va en boîte, à mon avis, ça va être dur demain. Donc on verra bien en fonction de ce soir, je pense. Donc voilà. Bon, déjà, l'auto, à mon avis, il va pas se finir en minuit. Hein, mais l'auto, c'est ça. Voilà. Donc on verra bien. Ma meilleure amie avait pas l'air d'être trop chaude, mais bon. Vu qu'elle change d'avis comme de chemise, si tu passes par là, mon amour, oui, je le dis clairement, tu changes d'avis comme de chemise, tout à fait. Voilà. Tous ceux qui la connaissent me diront la même chose. Ça change pas de chemise. Donc voilà. Oui, donc mon copain vous l'a précisé, mais je vais le repréciser quand même. Quand je tourne mon cheval en long, je parle méchamment et je prends une chose qui s'appelle une chambrière. Que des gens se servent pour frapper les chevaux, hein, il y en a, ils s'en servent, très clairement. Moi, c'est juste pour lui mettre un coup de pression. C'est-à-dire que je vais lui poser sur le cul, l'air de dire eh oh, c'est là. Donc forcément, il va serrer les fesses, il va avancer. Et la claque en l'air. Donc juste pour que ça fasse du bruit, pour que monsieur se dise « Ah, je crois qu'il faut que j'avance !» Parce que clairement, vous pouvez demander à quoi vos copains, il vient de faire l'expérience. Monsieur, quand il a décidé de pas avancer, de pas écouter, voilà, il veut pas. Donc voilà, faut être ferme dans la voix et tout, parce que je vois mon copain, c'était genre « Petit Flo, trotter !» Je vais le regarder, limite, il lui faisait un fuck. Moi, c'est « Petit Flo, trotter !» C'est, voilà, faut être... Oui, faut être dur dans la voix. C'est comme ça, voilà, après, vous êtes d'accord ou vous êtes pas d'accord? Écoutez, il y a peut-être des cavaliers qui me diront, oh bah moi mon cheval, oui mais moi mon cheval, le mien, il faut être ferme dans la voie, sinon clairement ils sont fous. Donc voilà, d'autant plus que la chambrière, je ne m'en sers pas pour le taper parce que mon cheval avant, son ancien propriétaire le battait à la chambrière. Donc mon cheval a vraiment très peur de la chambrière. Et là vous allez dire, bah pourquoi tu utilises alors? Alors, parce qu'on l'a désensibilisé, on lui a montré que nous on le tapait pas avec, qu'on s'en servait juste pour lui dire eh oh, faut que tu avances. Et je sais pas si tu l'as connu à cette époque, mon cœur, mais clairement, avant que je sortais à la chambre arrière, mon cheval il se mettait sur ses deux pattes arrière. Il en avait, mais une trouille, je crois que vous pouvez même pas imaginer. Donc voilà. Attendez, je vais faire un petit message d'alerte, je te préviens si tu nous sais à mettre. Donc voilà. Je le voyais se préparer à doubler. Mon cœur, je te préviens, ça fait pas si je te double. Voilà. Mais tu vois bien de quoi, s'il pleut, ta voiture elle est toute neuve, enfin elle est toute neuve. Tu la connais pas, c'est un virage, c'est un bus, t'es ouf toi, il n'y a pas de visibilité, normal. Oui alors, oui, je suis chiante en voiture. Enfin, qu'avec lui, hein. Et qu'avec lui, je suis chiante, c'est tout pas grave. Il m'aime comme ça. Donc voilà, et puis bah je crois que c'est tout. Hein ouais. Ah oui, si. Sa voiture, pour ceux, parce que je pense qu'il y en a qui vont vous le demander, c'est une 307, saloperie, mais bon, c'est pas exactement celle que je veux, lui c'est d'HDI et moi c'est une CC que je veux. Et là vous allez dire, ah bah ça va, pas de goût de luxe la meuf. Ouais, je sais, je sais. Il y en a, ils veulent des Lamborghini, moi je veux une 307 CC blanche. Voilà. À tout à l'heure. Salut, alors là il est 13h01, on va partir au rallye des perles et pour aller voir Sébastien Loeb. Donc voilà, pour voir un petit peu d'adrénaline, je vous filmerai ça, voilà. Et après on partira à Reims. Voilà, bisous. Le bruit.
deuxième voiture. Je sais pas si vous la voyez sur la caméra, elle est juste là. Bon, là elle va arriver. Ouais. Ah ouais, elle va toujours aussi vite, hein. Petit mais costaud. Putain, les pneus, toi. Non mais le... C'est le moteur. Bah putain le moteur. Au pire si j'en loupe une, c'est pas grave. Mais... alors là il est... Il est... Voilà, il m'a caché. 16h51. On va à Reims. Ah excusez-moi si ma tête et tout, mais là clairement je suis crevée. Je sais pas si ça se voit mais franchement je suis crevée toute la journée. Et le truc, donc là on a été chercher nos sandwichs pour l'auto ce soir. Et on l'a posté hein. Oui. Ah oui ça. Voilà. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. On recommence. On va rentrer sur le magasin. Ouais, on va rentrer sur les magasins. Ma meilleure amie ne vient plus ce soir parce qu'il y a eu un souci. Pas entre nous, hein, je vous rassure. Du coup, là, elle est sur Insta avec sa soeur et sa mère. Donc, on va aller dans le même magasin juste pour aller leur bénir. Voilà, je suis un petit ange. Et après, on va aller à Stocco et Action. Et là, vous allez dire, mais purée, mais vous faites ça tous les week-ends, c'est pas possible. Hein, parce que déjà le week-end dernier. Enfin, on n'a pas été à Stocco le week-end dernier, alors s'il vous plaît, on se fait. Non, mais c'est parce que. Il reste au fond en premier. Ouais. Il reste au fond en premier, il a dit. Le monsieur. Là. Le monsieur là. Voilà, pour acheter des bricoles. Voilà. Des bricoles, oui, non. Voilà. Voilà, et puis bah. C'est tout. Et puis. Ah oui, si. Le rallye, c'était trop, trop bien. Franchement, c'était bien. Et mais franchement, j'arrive pas en aligne de me chier. C'était sale. Ouais, voilà. C'était sale, plein de gadou. Clairement, on a dû changer. Voilà. Vous allez dire, ah, mais t'es pas changé là. Si, juste le pantalon et les chaussures. Parce que c'est juste, clairement, c'était pas possible. Et ma maman, elle est rentrée. Ça y est, j'ai vu ma maman. Voilà, voilà. Je suis un gros bébé. Je suis contente de revoir ma maman. Maman, si un jour tu regardes cette vidéo, je ferai rien sans toi. Je l'aime trop ma mère. Même si elle m'emmerde. Si tu regardes cette vidéo, oui, moi aussi je t'aime. Parce que tu vas me dire, comment ça je t'emmerde. Voilà. C'est l'amour fou entre nous. Voilà, voilà. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Et puis, bah, je vous retrouve quand on sera dans les magasins. Déjà posté, alors vous voyez cette vidéo. Donc voilà. Donc bah là, on va rentrer. Clairement, on va aller se coucher. On n'en peut plus. On est crevé. Voilà. À demain. Nous revoilà. Il est 12h35. Et en fait, on vient seulement de finir de déjeuner et de s'habiller, on va dire.
Là, je vais tourner ma vidéo vlog de la dernière fois parce qu'en fait, j'ai eu un souci. Mon câble avait disparu. Non, il avait disparu. T'avais qu'à le remettre à sa place quand t'es parti et tout. Comme ça. Voilà. Parce que mon copain utilise des trucs, mais il remet à sa place. Donc, après, c'est moi qui dois chercher. Il est gentil, ouais, d'accord. Bref. Arrête de faire ta tête de nœud parce que je vais te claquer. Fais gaffe, je rigole pas avec toi. Donc voilà. Pour ce qu'on a acheté à Stocco. Et j'ai pris. Faut que c'est vraiment ça. Voilà, ça donne ça en fait. Hein. Clairement, voilà. On n'a pas fait des trucs de PD. Hein. Nous, quand on va acheter des trucs, c'est. On fait ça bien. Donc voilà, donc ça vous. Si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, il va falloir regarder la vidéo en haul. Que je vais tourner aujourd'hui, je sais pas si je vais la poster aujourd'hui ou si je vais poster mon ancienne vidéo que j'ai fait, que j'ai faite. Toi tu vas arrêter de me reprendre parce que ça va faire. Non. Donc là après avoir fini de monter ma vidéo, je partirai au cheval, enfin on partira au cheval. Après en rentrant on va ranger ce foutoir pas possible. Donc là, et après nous irons au bois. Non, je déconne. Nous ferons. Je ferai ma vidéo et après je ferai mes devoirs. Mais à ce qui me semble, j'ai pas de devoirs parce que la semaine prochaine c'est les AID pour celles qui connaissent. Voilà la galère des AID. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire aussi, pas la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, ce sera un vlog de 3 jours. La semaine après, un vlog de 2 jours normal. Et la semaine encore d'après, ce sera un vlog de 4 jours parce que je pars à Strasbourg avec mon lycée. Et donc du coup, je vous filmerai tout ça, évidemment. Vu que mon chéri ne sera pas là, il pourra regarder gentiment le vlog pour savoir ce qui s'est passé. Donc comme ça, il sera obligé de regarder. Hein? Je regarde les vidéos. Ouais, tu regardes les vlogs. Ça dépend lesquels. Le dernier vlog. Eh ben, il n'y en a eu qu'un de posté. Tu l'as regardé, le dernier vlog? Ouais. D'accord. Si. Je mettrai des petits mots pièges dans la vidéo pour voir s'il l'a regardé en entier jusqu'au bout. C'est vrai, voilà. Donc tu as montré, tu as dit, ah, il n'existe pas, il va se casser la gueule en vélo. Ah non, je ne suis pas cassé la gueule. Oh, il rage. Et je sais pas si vous verrez. Non, vous ne verrez pas. Attendez. Ouais, donc je sais pas si vous verrez, mais clairement, il fait pas beau du tout. Voilà. Clairement, il fait un temps pour ou pas. Et là, moi je dis ça, je dis rien quoi, mais. Toi ta bouche. Alors là, il est 13h17 et on est arrivé. Voilà. Pour mon dadou. Là, voilà. Il est où le dadou de sa maman? Bah, je vous montrerai quand il sera sorti à la lumière parce que là, il fait très sombre. Je sais pas si vous voyez, mais. Je vais vous le montrer dans. Quelques petites. Donc voilà, voici mon bébé cheval qui est trop content d'être avec sa maman. Voici moi, il est content d'être avec sa maman. Là, il est pas content parce que les copains sont en train de manger et moi je vais devoir aller travailler. Non, je suis pas content. Alors, oui, alors, attendez, je vais vous montrer quand même à quel point c'est un cheval maltraité. Le cheval n'est même pas attaché quoi. Clairement, rien ne va plus. Loulou, qu'est-ce que t'en dis? Ah, c'est rien, c'est mon copain qui est en train de le sangler. Le pète pas en le mon cheval. Attends, tiens-moi ça. Est-ce que j'ai ta main? Ouais. Non mais regarde la caméra. Bah c'est vrai. Oui, non mais. Alors. Non, ça va pas. C'est ton tour. Il est trop dur ce surfait là. Ouais, je te ferai. Ouais, c'est bon. Alors. Alors. Le glacier que ça, c'est pour qu'il baisse sa tête. Je lui dis qu'il est mal à son dos, le monsieur.
Alors là, il est 16h15, on vient de finir de ranger, enfin entre guillemets, parce qu'en fait il reste un peu de pétard, mais on a fait vraiment le plus gros. Là, on n'a plus qu'à remettre toutes les choses à leur place, descendre nos, enfin, les poubelles surtout, plus passer le dernier coup d'aspirateur et ça sera fini. Après, on va aller prendre un bon goûter parce qu'on l'a mérité. Bon, sauf mon chéri parce qu'il est en train de geekos pendant que je suis en train de ranger tout à l'heure, mais bon, ça c'est pas grave, hein? Hein? Oui. D'accord. Voilà. Donc, J'ai c'est tout. vraiment dit quoi ça? Et puis, bah, voilà, après, on fera peut-être une sieste. Hein. J'aimerais finir ça. Voilà. On se mettra devant la télé, pardon, l'ordinateur, regarder les anges. Et après, dodo. Voilà. Alors là, il est, je sais pas quelle heure, il est quelle heure? 19h46. Oh la vache, il est 19h46. Oh, je viens de prendre une claque, désolée. Donc on a fini de faire le ménage et le rangement, enfin. Et oui, j'ai des nattes, c'est parce que je sors de la douche, j'ai été me laver les cheveux. Et puis bah là, on va aller manger raclette. Avouez, vous êtes dégueulasse. Désolée.